Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 9 ans, je joue en U13 au Mureau dans les Yvelines. Je suis adhérente du cercle depuis le 2 novembre 2020. Le cercle basket m'aide à m'organiser, à mieux travailler mon basket au quotidien, en faisant par exemple des routines de dribble, à fixer des objectifs. Il me donne des moyens pour les réaliser, avec les différentes vidéos mises à notre disposition, ainsi que les vidéos que j'envoie au coach pour me corriger. Ça fait que un mois, j'ai déjà progressé. Le cercle m'offre une préparation mentale et physique. Merci le cercle. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 13 ans. Je vis dans la ville de Grenoble. Je suis membre du cercle basket depuis avril 2020. Et jusqu'ici, je pense que le cercle m'a aidé à progresser dans mon basket, mais aussi mentalement. Dans le contexte actuel, c'est un privilège de compter sur les conseils et orientations de coachs professionnels pour être dans la performance chaque jour. Alors bonjour à tous, je m'appelle Elara, j'ai 16 ans, je vis dans la ville de Villefontaine près de Lyon et je suis membre du cercle basket depuis avril 2020. Je pense que le cercle m'apporte du contenu de qualité qui entraîne une réelle progression du niveau technique et mental en proposant des entraînements ciblés et des interventions de professionnels, ce qui me permet de progresser sur plusieurs aspects du jeu et ce malgré la situation sanitaire actuelle. De plus, le cercle permet de participer, réfléchir et s'exprimer lors des lives, mais aussi par message, ce qui me paraît être important dans toute progression. Bonjour, je m'appelle Liwa, j'ai 10 ans et je vais à Malte. Je suis dans le cercle depuis un peu plus d'un mois. Salut, moi c'est Deron, j'ai 8 ans et je vais à Malte aussi. J'ai intégré le cercle en même temps que mon frère. Nos objectifs sont d'aller en sport-études et de jouer en pro. Le cercle nous a appris à planifier des objectifs et à faire un CV. Ça m'a aussi beaucoup aidé sur mon tir parce que j'avais les jambes trop serrées, mais aussi à faire une routine de dribble parce que mon dribble n'était pas assez bon. Le cercle nous apporte aussi de la compréhension de jeu. Dans les classes basket, on étudie des actions de match. Et la semaine dernière, on a une leçon sur le jeu rapide. En ce moment, on ne peut pas s'entraîner comme on veut, donc c'est une chance d'avoir le cercle qui nous propose plein d'exercices à faire à la maison. Un grand merci à Coach Bonnel pour répondre à nos questions quand on en a besoin. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et je joue à Versailles et je fais partie du cercle basket depuis un peu plus d'un mois. Je pense que le cercle m'apporte plus de rigueur et d'efficacité dans ma façon de m'entraîner pour progresser. Et ça m'apporte aussi du soutien puisqu'on est un groupe et on peut parler entre nous, entre basketteurs. Et le cercle m'aide aussi à mieux comprendre le basket grâce à de nombreuses vidéos et aux classes basket où on peut échanger, on a des explications, des conseils et tout ça dans la bienveillance. Bonjour, je m'appelle Sony, j'ai 10 ans et je vis dans la ville de Vitry-sur-Seine. Je suis membre du cercle basket depuis le 1er avril 2020. Je pense que le cercle m'aide à progresser mentalement et m'a aussi appris à m'auto-coacher pour mieux travailler. L'enseignement vidéo du cercle m'a permis de changer mon shoot et d'améliorer ma gestuelle et mes appuis. Pour moi, l'une des choses les plus importantes est le fait d'avoir appris à bien baliser les étapes à mettre en place afin d'atteindre mes objectifs. Un grand merci à coach David Bonnel et coach Patrick Régulier. Bonjour, alors je m'appelle Charlie, j'ai 14 ans, j'habite à Béthune dans le nord de la France. Je suis membre du cercle basket depuis un mois, soit début novembre 2020. Le cercle m'a déjà beaucoup aidé et apporté dans mon basket, physiquement, mentalement. Il m'aide à atteindre mes objectifs à moyen, court et long terme.